Welcome to Train World, one of the most magnificent event venues in Brussels, the heart of Europe. Are you ready? Welcome in Train World. Hello, Peter Jonkers. You are the director of Train World. And we also have Nicolas Bohin. Hello. Hello. You are the event manager here in Train World. Train World celebrates its fifth anniversary in 2020. And what's its history from an event point of view? Wel, Trainworld heeft altijd ingezet op twee soorten van publiek. Enerzijds de traditionele museumbezoeker, maar anderzijds ook elke deelnemer aan een event. Vandaar Trainworld als een eventlocatie. Oké, okay, and what's your current strategy to promote events here in Trainworld? De eventstrategie van Trainworld bestaat erin dat wij ons richten op deelnames aan binnen- en buitenlandse maïsbeurzen. Anderzijds met ons lidmaatschap van Brussels Special Venues, maar ook het partnership met bijvoorbeeld Visit Brussels of Toerisme Vlaanderen of BBT Online. Alles om die events aan te trekken. Could you explain us the concept of the future that you propose here in Train World? Le nouveau concept à Train World part du constat que nous sommes dans un monde qui va de plus en plus vite, où la communication doit se faire de plus en plus rapidement, et aussi nous voulons garder un aspect humain et physique à l'événement de demain. À Train World, nous avons planché sur un nouvel outil avec notre partenaire Altrolux, qui est le fait de coupler la digitalisation de nos événements avec la présence physique à Train World. C'est-à-dire que vous pouvez amener 200 personnes ici à Train World et coupler avec un lien streaming ou bien une capsule vidéo votre événement et la diffuser à travers tous vos collaborateurs. Ça signifie qu'actuellement, la capacité de Train World est de plus ou moins 400 invités, mais avec ce nouvel outil, vous pouvez atteindre une infinité de personnes, 4000, 5000, 10000 personnes à travers Train World. Train World is very specific. It's an extraordinary location. Could you describe it? Train World is een zeer bijzondere locatie, met name de combinatie van het oudst bewaarde stationsgebouw hier in Brussel en een nieuwbouw die 8000 vierkante meter omvat, waardoor dat je eigenlijk een waaier aan mogelijkheden krijgt van het organiseren van allerhande events. And how many events do you organize so far? Train World heeft tot op heden een goede 225 events georganiseerd, zo'n 40-tal per jaar. Met een heel duidelijke klemtoon op corporate events, dus banken, verzekeringsinstellingen en publieke private organisaties als klant. Nicolas, I have a question for you. Could you tell us if you still offer traditional events facilities here in Train World? Oui, bien sûr. Les offres dites traditionnelles continuent également à Train World et seront, comme je l'ai dit, couplées à notre nouvelle offre digitale. Donc nous proposons des workshops, des working dinners, des dîners de gala, des conférences de presse, des présentations, des séminaires. Et tout ça maintenant va être couplé avec notre offre digitale. Donc auparavant, quand un événement regroupait 200, 300, 400 personnes, aujourd'hui c'est une offre illimitée que nous proposons car le contenu de cette conférence pourrait être partagé à qui veut. And which event in particular stood out and left you an particular impression? Het is een beetje een moeilijke vraag om te zeggen welk event er net heeft of is er net uitgesprongen. Ik denk bijvoorbeeld ook aan de 70-jarige viering van AmCham hier, maar ook een event met RTL TV. Maar moet ik er echt eentje kiezen, dan zou ik zeggen BNP Paribas. Zij zijn hier twee dagen te gast geweest. Ze hebben het hele museum afgehuurd. En als top of the bill hebben ze zelfs nog een kleine Bedouïne dorp met originele tenten helemaal achteraan Train World ingeplant. Dus je ziet, alles is eigenlijk mogelijk in Train World. And does Train World focus only on national Belgian companies, or do you also host events from international origin? Inderdaad, Train World host niet alleen binnenlandse Belgische klanten, maar ook buitenlandse klanten, waaronder ik bijvoorbeeld Atout France kan vermelden, of de Duitse Toerismecentrale. Meerdere Duitse companies en bijvoorbeeld ook de Zwitserse ambassade hebben hier hun livestreaming van de San Gotardo-tunnel al laten plaatsvinden.
Nicolas, you organized numerous events, but after all, Trainworld is a museum. Is it possible to combine, to visit the museum before or during an event and then go to that event? Is that possible? Nous évoluons ici dans un musée qui est fantastique, qui dispose de 3 étoiles au guide vert Michelin, donc il serait totalement dommage de ne pas proposer une telle offre. Donc par exemple, si vous organisez un walking dinner de 200 personnes, nous vous offrons bien sûr la possibilité de coupler cette visite avec le walking dinner, et nous offrons aussi la possibilité de donner à nos clients des coupons gratuits pour que ceux-ci puissent les donner à leurs invités et revenir au musée par après le visiter. And could you tell us a bit more about Trainworld's uniqueness or its USPs? Het bijzondere aan Trainworld als een eventlocatie bestaat erin dat we niet alleen over state-of-the-art infrastructuur beschikken, maar voornamelijk ook de uitzonderlijke ligging aan uiteraard een treinstation, maar ook niet ver af van het stadscentrum, maar ook dichtbij alle verkeersassen. Maar daar gaat Nicolas zeker wat meer over kunnen vertellen. Okay, and just the last question, Pete. In which way is Trainworld innovative? In other words, how far does your museum contribute to the event industry? Wel, we zijn er net toe gekomen om met Trainworld en onze externe partners een volledig nieuw innovatief product uit te werken, waarbij dat je enerzijds on-site met fysieke aanwezigheid kan meeten, en anderzijds ook via een livestream met de rest van je gezelschap of zelfs andere partners of andere deelnemers ter plekke en meteen in live kan gaan werken en vergaderen. Okay, we'll go back to Nicolas. Trainworld offers great B2B possibilities, but how about the accessibility? As a train museum, I assume you would encourage the clients to get here by train. Nous sommes situés à la gare de Schaerbeek, qui est au centre de Bruxelles. Donc il est recommandé de venir en train, mais nous disposons également d'une offre de parking qui va de 40 à 500 places. Nous avons également la chance, et ça c'est une vraie chance, de pouvoir être à 15 minutes en train de Brussels Airport. Pour nos clients internationaux, celle-ci est un vrai plus. What is your maximum capacity? La capacité pour un événement est infinie grâce à notre nouvel outil que nous proposons avec Ultralux et Trainworld, mais nous ne pouvons pas repousser les murs, alors la salle des pas perdus, qui est notre plus grande salle, peut vous proposer pour un dîner assis 350 places, pour une conférence plus ou moins 420 places et pour un walking dinner 450 places. Okay, great. Last but not least, Nicolas, what is the rental price for the average event here? Concernant le prix à Trainworld, il est difficile de vous proposer un prix exact pour un événement spécifique. Je pense que le plus simple serait de me contacter à b2b@trainworld.be et je vous répondrai dès que possible. I think we have a question from the audience. It's Aurélia. You run an event agency. What is your question, Aurélia? Merci, Nadia. J'aurais voulu connaître les moyens techniques que vous mettez en place pour ce live streaming. Oui, bonjour, Aurélia. À Trainworld, nous disposons d'un nouvel outil qui est la digitalisation, la mise en ligne de nos events, couplée à la présence physique des événements. Donc, avec notre partenaire audiovisuel Ultralux, nous mettons à votre disposition toute une série d'outils qui sont les micros, les écrans. Nous mettons aussi des cabines d'interprétation simultanées. Tout ça dans un package qui vous est proposé ici à Trainworld. Thank you, Nicolas. Oui, Nadia, j'aurais encore une question, si vous me le permettez. Si j'organise un walking dinner de 200 personnes, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Nicolas, a walking dinner for 200 people? Alors, à Trainworld, nous avons plusieurs solutions et je vous inviterai à venir faire une visite de repérage pour cela. Mais la première idée qui me vient en tête est le hall 1 qui est magnifique, qui est le premier hall de notre musée. Et en plus de cela, si vous voulez mettre la cerise sur le gâteau de votre événement, je vous propose de coupler à votre walking dinner une visite du musée pour vos clients. Thank you, Nicolas, and thank you, Peter. Thank you.